Ça va être encore assez simple. Tiens, juste avec la cible, on va les faire danser comme ça dans l'eau. Oh, ça tourne mieux l'autre côté, hein? Allez-y, l'autre part. C'est bon. Et du poisson pour tout le monde par la suite. Ensuite, toujours avec la cible, on va rendre ça un petit peu plus difficile, un petit peu plus amusant. Le phoque, c'est un animal qui nage très, très bien. Il nage très, très, très rapidement. Ils sont capables, en nature, évidemment, de plonger dans des bancs de poissons. Donc, ils sont faits hydrodynamiques, qu'on appelle, ce qui leur permet de nager très rapidement. Et nous, on va utiliser ce talent-là. Ils vont aller sous l'eau, ils prennent leur élan. Et si je mets la cible comme ça dans les airs et que j'appelle, tiens, Daila, pour commencer, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. C'est beau, Daila. Est-ce que vous voulez qu'on essaye un peu plus haut? Oui, les prochaines, je peux les faire sauter un peu plus haut. Peut-être essayer de les encourager. On va voir si ça va marcher. On va appeler Daphné. Oups. C'est un beau saut, mais t'étais deux pieds à côté, ma bille. On reprend ça. On appelle Daphné. Good. Et finalement, j'ai gardé la meilleure pour la fin, celle qui saute le plus haut, on va appeler Cléo. Yes. C'est beau, Cléo, viens chercher ton poisson. Oui, c'est beau, ma belle. Donc, on peut applaudir Cléo bien fort. Et pour terminer la présentation, on peut continuer les sauts, mais je vais essayer avec ces cibles-là juste ici. C'est pas toujours un succès, je vous le dis en partant. On va essayer de faire sauter les quatre phoques en même temps. Donc, on va voir si on est capable. On va laisser le temps aux phoques de se reconcentrer et reprendre leur place. Pendant la mue, je vous disais, ils ont un petit peu moins de motivation. On va leur laisser les quelques secondes qu'ils ont besoin. Est-ce que Nikki va y aller? C'est beau, Cléo. Nikki, est-ce qu'il va y aller ou il ne va pas y aller? Elle y va. C'est prêt? C'est parti? Let's go! Daphné, Daila, Nikki, Cléo. Good! Pour terminer la présentation, je vais simplement demander à Daphné de venir me voir. Oh, tiens, on va laisser le temps de se reconcentrer encore une fois. J'espère que vous avez apprécié les phoques. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur elles. Je vais demander à Nikki, viens Nikki, de venir se joindre à moi sur la plage. Pour vous souhaiter à tous, go Nikki. Une très belle fin de journée, des belles vacances à tout le monde. Si vous avez des questions, venez me voir, ça va me faire plaisir de prendre le temps qu'il faut pour répondre à toutes vos questions. Vous êtes les bienvenus. Dans le cas contraire, je souhaite de passer une très belle journée à l'aquarium. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui.